Pour la première leçon, le passage difficile dans la Genèse et Exode, c'est ce que nous avons étudié. Et nous avons étudié comment les peuples de Dieu ont marché devant Dieu au temps de Abraham et de Moïse. Et nous sommes pour l'homme qui est La deuxième leçon, c'était la guerre d'extermination. Et nous Les temps de Jésus avec le peuple de Dieu qui se préparait à entrer sur la terre promise. Et Dieu leur avait ordonné de détruire des groupes de gens. Et nous sommes pour l'année, mais nous sommes là pour que 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 nous sommes là C'était un ordre terrible de Dieu, difficile pour nous aujourd'hui de comprendre. La troisième leçon que nous avons terminée le dimanche passé était la somme d'un imprécatoire. Le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, prie vengeance sur ses ennemis. Alors que Jésus enseigne d'aimer et de prier pour nos ennemis. Aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième leçon de cette série qui s'intitule « Les paroles difficiles » ou « Les paroles déroutantes de Jésus-Christ ». Et voilà, nous cherchons les bons les dernières années. Mais déjà, pour Jésus-Christ, on est dans ce scénario pour les Bibles de Bible. Et on va nous dire, mais déjà, pour nous, pour ça. Christ désire que nous discernions, comprenions et appliquons cet enseignement. Le verset clé de la leçon se trouve dans Luc 8, verset 10.
Kono lesa. E ye fukui, ke ye milande, ke pirele, uso swa me kuya. E le kuka ke agbalene, miye wakane nami. Luke 8, verset 10. Ok. Alléluia. Luke 8, verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Lukape akmaletame nikutu woke drona ube miyamba ona nunyanibe nyasema ufya lupela kwenu gala ugome ke rena amegubu ola mefuanu na ule lozozo ume alepe ne uporula umajisi u ne use umala umase ekome. Amen. Les objectifs de la leçon. Premièrement, nous allons énumérer au moins trois façons dont le peuple de Dieu devrait être différent du monde. Deuxièmement, développer ou améliorer une attitude appropriée envers l'honnêteté et la malhonnêteté. Et enfin, nous allons te montrer une réponse pieuse au monde de ce monde. Amen. Jésus était un enseignant sans pareil qui savait. Il savait capter l'attention de ses disciples, de son auditoire, et les amenait à réfléchir profondément sur ce qu'il disait. Jésus connaît les motivations secrètes qui nous amenaient à agir de la façon dont nous agissons. Jésus Christ a énigmé le chôme au ayé wona e luke tutuna nike gwami wona nkomi wona enya okeke. Je disais que nous sommes dans nous sommes en train d'étudier les paroles difficiles de Jésus. Mi kuleba inali abena Yesu Kristo wenye asese ondiye mire kiyo mso lende kenyea. Voyons la parabole de Jésus à propos de le couronne infidèle. Nyako, Yesu Kristo wenye dodo kebeto, ulo, egajra doto, mutepe mawala, mutsu. Lisons en Luke 16, du verset 1 à 9. Mia menou le bouka fe admane, we are there to be buried in a massacre. Luke 16, verset 1 à 9. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un inconnant qui lui fut dénoncé pour dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'attends dire de toi? Rapporte de ton administration
car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne puis, je ne le puis. Manger, jamais honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et ses hommes venirent chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'eau, le répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« Sans mesure de blé, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Waspo epe ganya ojine. Ke ete peme didi ola, eva sebe gafonta metola la nye ame siti adento. Le si ata ke sinotola yu eblonebe, nya kawe nye si a ome sere ungobe, ele nye mufi. Wo akonta le gasi wo kata ne vola unam. Ela vena cho egbe adila menya ole dome. Gakonta me tola la yita me se e ye ubiya e okibe. Luka ma wofifia. Wo nyam le afisia. Ebo nuse hame le unyebe. Ma yi adawo do se se adeke o. Eye nye mate un abia luhan o le ame o elabe na esia ade dinye koto akma. Me yanu si ma o. Elebe ma di kono o fun. Esi o bo. Ma dunu le ne nu jojoa le medujo doa ale woyo epe apeto pe senilao deka e bia ba tobe hole ni pefe ni le nye apeto edo ngwe amitimi kilo lita adeto. Gakonta metola klonebe, chowo fegbale bando. No anikaba eye na troe wazu, kilo lita de kable afa. Tete obia ame ebeli ame, fene nye wo ya ne. Eto umbe wo memi kilo lita blato voato eblonebe cho wo febale eye na anglo kilo lita blato. Abeto la kafu nou te fè ma wola siya fè e la
ne efe adam di zeta eye enye eye nya nya te pepe amesi o le fere si amelade ayele nu ma jo wo wo me chomu amesi wo vo amau mene e glom na nibe mi cho ayibaji mu majo do je oro we na mi na do ke ne wo nu ba yi bola wa ko mi de a pe ma bola amen amen merci beaucoup merci à nous pour la lecture. Et nous venons d'écouter la lecture de la parole de Jésus à propos de le tournant infidèle. Et ni vraiment pour nous, Jésus Christ, pour nous, et nous, et Gadradon, nous te fais ma hola, alors qu'à Tipola, nous te fais ma hola. Selon vous, qu'est-ce qui est troublant ou difficile à comprendre dans ce paragraphe? Et il y a un homme qui a été 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 un Matthieu, comme plusieurs de l'article, là où il dit que faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Non, io sono andato a fare un'altra cosa, ma non è che Gesù Cristo, le problemi di Roma, gli amenù allocchino un maggio maggio, allora guarda con la mia, ci può fare bene, e non è che. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Est-ce que d'autres ont vu quelque chose de difficile à comprendre? Ce que moi j'ai trouvé un peu paradoxal dans ce passage à la clôture, c'est que c'est comme Jésus a apprécié l'acte que le bonhomme infidèle a posé en réduisant la dette, le montant que les créanciers devaient à son maître. Et comme Jésus a apprécié son acte et son habileté ici. Ok. Et il y a des âges que le concours qui a le problème. Et nous, que Tchaka et Bia et Nibé et Gadi Polaya, et où on est que nous, et c'est le mignon, et retournant les corruptions, et les cérémonies, et retournant les corruptions. Et toi, il y a des gars qui font. E non mi ero guardi con gli ossi di legno su chi sono da Siro e non ho imparato le uaggi di me. Ma sì, ma sì. E non puoi giù ciaccare di me. Ma sì, è che qualcuno ha detto altre cose? A me le bacco non pure le lunghe lame che deve avere un po'. Ok, merci, avançons. Et après, il y a les gens. Et
dans cette parabole, est-ce que nous pouvons dire ce que Jésus veut nous enseigner par l'exemple de cet économe? Est-ce que nous pouvons dire ce que Jésus veut nous enseigner par l'exemple de cet écoulement dans cette parabole? C'est ça la question. Il y a bien ça, il y a des miens, et nous pensons que Pour les choses de Dieu. Amen. Il y a des pays qui sont pour la vie de Dieu.
abe leke nyenye C'est le mot, mais je pense que ce serait un peu difficile à comprendre pourquoi. Ok, allons-y. Nous savons qu'un autonome, c'est quelqu'un à qui on confie la gestion des affaires ou des biens. Et nous disons pour l'année à vérifier où sort et nous disons pourquoi doit assigner au sort mon épée par poche. Et il a la responsabilité de veiller à la rentabilité des choses que lui confie son propriétaire à qui il devait rendre compte. Et nous disons pour l'année à quoi est-ce que vous menez là et waouh, si il y avait là. E non posso né la poesia quale che ne e mi ave vide wa sene wa nane wa de la terre et tout ce qui est sur elle, tous les biens, les bénédictions que nous possédons appartiennent à Dieu. Et il en a ses comme pénal a dit pas à qui et nous y ont dit les mecs qui a ou y ma ou et voilà tout. C'est Dieu le propriétaire et il nous a confié l'administration de ses biens. Au moment où il y a des animaux qui sont là, et et au lieu de bien gérer ces choses et lui apporter des fruits en l'obéissant et en le servant avec ses biens, nous les avons appropriés pour nous-mêmes. Et bien sûr, nous nous remercions et nous consommons si bien sûr, à l'événement, à n'y avoir mon union tonton béni. Et ma vie sera mia le genou de la vaue condamnée. Que pour moi, ni on a tiré et moi, on tombe en tonton pour nous. Si Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons capables d'utiliser ses biens pour le servir et aider ceux qui sont dans le besoin. Le ma vie sera mia et il n'y a plus à mes collègues qui en mia, ni à au plus loin. C'est ainsi que nous allons gagner le royaume de Dieu. Et il y a un homme qui a été pour à soumettre à Dieu. Nous avons à rencontre à Dieu pour tout ce qu'il nous confie. Et il y a un compte à ma route pour nous aussi à ma route de mauvais ou soumettre à Dieu. Il y a un compte à soi. Pas un mauvais gestionnaire sera renvoyé. C'est pourquoi faisons tout pour être fidèles à Dieu. Nous t'apprenons la nuit à l'homme qui convient. Et on m'a dit à mon gouvernement, ma ou à n'y a aussi de l'église pour le nom de Dieu. Merci beaucoup. Du verset 2 au verset 7. Nous aimons les livres pour que tu aies soi à Mandréen. L'économe a mal géré les affaires de son maître. Il lui demanda des comptes et lui a retiré la gestion de ses affaires. Et Rondi, alors, et nous tapons là. Et me voir, et tapons quoi, elle est ici. En écoutant son maître, l'économe a pensé à son avenir. Que rondi à l'eau et tout à pola à essai et tout à l'essai sont et il a pensé à son avenir, ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire. Et tout à l'essai, il va sortir, nous caille la raison, nous caille la voie, nous n'y arrivons pas. Et rapidement, il a fait un plan
pour s'assurer que les autres vont le traiter favorablement, une fois qu'il perd sa position entière. Eye wo jabagba fe do ka do afrobe ya woro de be na ni be ba do aba gere sia ne ngba ba chi do son plan semble hypocrite et malhonnête eye ye be e cha cha lu ku do ke be wa e ze be e ju aye me nu owo do e ma jo ado ni. Le plan est d'aller auprès de ceux qui doivent à son maître et leur demander de payer seulement une fraction de ce qu'il est dû. Il me dit donc que vous avez dit qu'il y a un lot avec vous qui fait que vous avez toi et il y a un ami et ce qu'on doit et vous pouvez dire que vous avez dit qu'il y a un lot avec vous ce qu'il y a un lot avec vous. Au lieu de faire payer les dettes en totalité pour qu'il y ait de l'argent dans le fonds pour justifier son cas, il a plutôt diminué les dettes pour les financiers. Que Bella a Jagbagba a fort et c'est comme année à Kotoa et Joy Bouvet, ton nom petit Liga et il y a quelqu'un à Petor. Excusez-moi pour les débiteurs. Mais on vous fait tout et fait toi, on va tout faire pour qu'il y ait fait tout. Mais ça, les demandes de dette ne sont pas dans l'intérêt de son maître. Et mais on vous fait, et ça veut qu'on vous fait tout avec toi, non, Dini, et c'est pour toi. Et on vous tout gâte pour qu'il y ait fait tout, tout maman, mais nous donnons à fait tout à Dieu. Et j'ai une question ici. Selon vous, est-ce sage ou pas de la part de l'opponent de réduire de cette façon les dettes dues à son maître? Selon vous, si c'est sage ou bien si c'est sage, justifiez votre réponse. Si ce n'est pas sage aussi, justifiez votre réponse. Le niabe nous pas pour mal et ouais niabe alors nous ouais niabe alors nous couvre ouais niabe et ouais niabe nous cache mille ouais niabe alors nous couvre ouais niabe alors nous cache mille ouais niabe et bien le niabe. Est-ce sage que le gouvernement réduise les dettes de cette façon? Alléluia. Amen. Sinon, selon moi, c'est parce que, bon, d'une part ou d'une autre, il n'a pas été sage. Parce qu'il a déjà amené son maître. Maintenant, il diminue encore les dettes que les gens le devait. Comment voir le comportement de l'opinion? Réagissez, s'il vous plaît. Ah, ma chine, vous n'avez pas l'air, vous n'avez pas l'air. La chose de la carne, vous n'avez pas l'air. Vous n'avez pas l'air.
Maman Kalima déjà tout dit parce qu'il n'a pas bien fait. Si tu as fait normalement, il devait reconnaître l'erreur qu'il a fait et essayer d'arranger. Maintenant, il est parti encore gâté. Je pense qu'il n'a pas bien fait. Merci. En tout cas, si c'est un comptable, vous voyez, il a été malhonnête. Ok, merci. Merci beaucoup. Tabé et Amiabe, Azé Kotabé, et vous voyez, et tant. Et la sœur Antoinette, comment vous voyez le comportement? Moi, t'es plus, voilà. T'es plus malhonnête, honnête, malhonnête. Moi, t'es plus. La sœur Antoinette, comment vous voyez le comportement de l'économie? Ok, pour dire quelque chose de contraire à ce que les autres ont dit, la Bible plutôt a apprécié, le maître a apprécié la sagesse de cet homme. Donc, l'homme a été plutôt sage parce que c'est que le maître, son maître l'a déjà envoyé. Il est déjà, sa carotte est déjà cultivée là-bas. Donc, Donc, sa présence pour l'avenir, c'est quand l'enseignant a annoncé les trucs, quand elle parle de l'avenir, elle a pensé plutôt à l'avenir. Et à son avenir, elle ne peut pas se baser sur son maître. Et il a plutôt pensé que ces créanciers que je suis avec qui je suis en contact chaque fois, je pouvais tisser une relation d'amitié avec eux pour que quand je serai parti ici, puisque je suis déjà renvoyé, au moins j'ai une bonne relation, je peux compter sur cette bonne relation et vivre ma vie. C'est difficile à comprendre, c'est vrai, c'est pourquoi il est un peu contraire à ce que les gens disent. C'est difficile à comprendre ici parce que la Bible ne nous enseigne pas de tricher quelque chose en réussir. Mais ici, c'est la prudence de la personne qu'on met en exergue. C'est sa prudence dans comment il a réfléchi sur son avenir et comment ça dit, il a voulu garantir son avenir qu'on met en jeu ici. Et
ebe Adam kere je ayi jeje Adam de jebe na nebe oba nyaya ile sobe leke ile sobe da noruma e ole do ko munibe kere wa enyo enti o je vais essayer d'enseigner à construire les pages et comment l'appliquer sur notre vie. Je pense qu'elle va aller de ça. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à propos de ce que je viens de dire, M. Sénat? Alléluia. Le frère Sénat vient d'expliquer. Est-ce que le gars là, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'on doit le suivre? Je suis un peu troublée. C'est quand on dit par ça, je suis troublée. Pour moi, je ne pense pas qu'il est un vrai chrétien parce qu'il est, si c'était un vrai chrétien, il n'allait pas poser la question qu'il a posée. Merci. Ok, merci beaucoup. Allez-y, est-ce que quelqu'un a d'autres choses? Et la sœur demande aussi, est-ce que nous allons suivre son exemple? Ok, je vais revenir encore suite à la question de Madame Roger qui demande est-ce que le gars est chrétien? Il y a surtout ma foi, il y a Dieu, c'est que le Dieu vena. Amen, allez. Je veux que nous comprenions, l'enseignant l'a déjà dit, mais c'est comme on n'a pas saisi et comment la comparaison dès le début jusqu'ici. Parce que si nous comprenons, nous allons vite expliquer ce que le but est tel poursuit dans l'enseignement. Parce que elle a dit que nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes administrateurs des biens de Dieu sur la terre. Et pour le Christ au toi, et nous sommes fidèles. Ça déjà, ça nous dit que Jésus lui a donné un parabole. C'est, il n'a pas dit chrétien ou pas, il a dit serviteur et maître. C'est tout. Donc, il connaît le serviteur de son maître, il travaille pour son maître, mais il a été fidèle, il est administrateur de les biens de ce monsieur, mais il a été fidèle. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes administrateurs des biens de Dieu sur la terre, mais nous nous approprions ça, nous le gérons très mal. Comprenons ça comme ça et évoluons. C'est ce que j'allais dire par rapport à ça. Comprenons ça et évoluons. Là, on va voir, pour qu'on parle de prudence de la personne à la fin, on parle de ça
prudence. Et on dit que nous, les chrétiens, les fils de la lumière, nous aujourd'hui ne sommes pas prudents par rapport à ce à l'exemple qu'on a donné. Ce que le frère Séna a dit, je suis. J'ai voulu ajouter simplement que pour les biens sur la terre, chrétien ou non chrétien, moi je crois que nous sommes tous administrateurs des biens de Dieu. Mais lorsque Dieu attend de nous, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous puissions, parce que les gens du monde, c'est eux qui ne savent pas que ce qu'ils ont appartient à Dieu en premier lieu. Mais nous devons le savoir. Mais ce serait dommage que nous aussi nous nous comportons comme eux. C'est pourquoi nous devons faire la différence pour leur montrer que c'est comme ceci, c'est comme cela qu'on doit administrer les biens de Dieu. Sinon, en réalité, le monde évolue comme si Dieu n'existe pas. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas évoluer comme Dieu n'existe pas. Donc, c'est moi ma compréhension. Nous tous, nous sommes des administrateurs des biens de Dieu. Mais nous, les chrétiens, Dieu attend de nous que nous puissions être de bons administrateurs afin que le monde voit et que nous disons au monde que les biens appartiennent à Dieu et nous sommes des administrateurs et nous administrons à nous et sommes en train de bien gérer. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Jogbe bo to ala ni bi nya mo ko jisi ma o mi cha mi a o si wa o nene wa ngba no na mi no ma o le to te po mi mi a o mi a du fio be e yi to yi mo be ke nyo ni mi ho mi o a lo ta po la na yi e yi ni le wo mo ti do nyu e yi yi a me ba po a nya be na mi le ma o te e ni le wo mo ti do nyu e yi mo ke ma o le to te po mi le a pe ro ko si te mo a nene po e mo a ko. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien d'autres rapports? Il y a une question au niveau du chat. Est-ce qu'il a appliqué la loi du royaume ou la loi de l'économie qui en cours sur notre terre? Ok. Mais on vient les bien vers les bien vers les pompons marines. Améalé et au Roma ou Togiro. Allô, ils ont l'officiel. La question juste réagissez. Comment nous voyons le comportement de l'Ecoudon? Est-ce qu'il a agi selon le royaume de Dieu, selon Dieu, ou bien est-ce qu'il a agi selon l'économie? La loi de l'économie de ce monde. Hello? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais dire que dans ce passage, l'économie n'a ni respecté la loi de l'économie de ce monde, ni la loi de l'économie de Dieu. C'est toujours juste et une parabole que le Seigneur à faire sortir pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut dire. Il n'a rien fait ici qu'il soit en ligne avec l'économie, bien les règles de l'économie de ce monde ou bien de l'économie de Dieu, parce qu'il n'a rien respecté. Et il y a une économie de l'économie. 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 Il est pas le fion que le poids et à ni l'autodo à l'événement son ou les 20 maou et est-ce que ce soir le tout de la venir son ou les 20 des soirs? Donc, si nous comprenons comment c'est que c'est comment il a fait, il a respecté quelque chose, on va rater l'objectif ou bien la pensée Parce que à la question, je ne suis pas parfaitement partant d'accord avec la réponse du madame Sina. Même dans le monde, si quelqu'un t'a donné des choses à gérer, tu as fait comme ça. Donc, dans le monde, ce n'est pas un exemple à copier, et dans le royaume aussi, c'est le royaume ne nous montre pas la malhonnêteté. C'est plutôt la réalité que le roi nous enseigne. Et bien pour faire les petits de Provena, le Kia, Mintocha, et nous y a un mot de TP au refiant. Et il y a un cas de plus au mien, et pas de manteau. Mais quand je retourne dans la Bible du semeur, le verset 8, comme le frère Sénat vient de le dire, ne copions pas l'exemple, mais nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner. Je pense que si nous focalisons sur cela, nous n'allons pas perdre le fil. Et il y a un fort pari, et tu les connais, et nous que les bébés les filles. Et il y a un Dieu, il y a un repose, nous que tu es à toi, les filations, il est au dos de ya. Et il y a un bâton. Et il y a un tir, on a mis les
e Bibla ben uomo e ben venire a poi come si era. La Bibbia si dice: le maître admira la vérité avec laquelle ce gérant malhonnête. Nous voyons donc ce gérant est malhonnête. Et il y a pas de si et nous comme il est à aider mes côtés pour le bien et à toi toi et toi je suis Bibi que non et comme vous dit nous te fais ma voilà et nous te fais ma voilà c'est le fia tout quoi mais et puis la fille de voix et nous te fais ma voilà et fia donc que ce soit chrétien ou pas chrétien nul nul n'aime la femme. E neo e Cristo to allora io mi tonto c'ha a me le pemu di nutna te pe ma o ma wa me le pemu lo ya na le prete na pie mi sa me se le se ne voudre nous montrer la prudence de ce genre. Est-ce que vous et moi, est-ce que le monde prudent, comment nous pensons de notre avenir? Et comme vie, nous te fait ma ola. Donc, je pense que c'est là que le frère a dit que l'enseignante, peut-être il a le point à donner. Et donc, à la réponse à la question, donc, je suis parfaitement d'accord. Comment est-ce que madame Sénat dit merci? Dit tout simplement que ce que maman Sénat vient de dire, madame Sénat vient de dire, que c'est très juste. Nous ne pouvons pas appliquer ça ni dans le monde, ni dans le royaume. Ce n'est pas une bonne chose. Oui. Eh bien, au foyer, il y a un peu de Jibéna. Et pour nous, il y a un peu de mouillère, il y a un peu de la hasard, les filles, il y a un caca pour le chantier. Mon hôte, pour le mouillère, il y a un peu de la hasard. Mon hôte, là où je réfléchissais, je voudrais maintenant, où est maintenant la difficulté dans ce passage? Quelle est la difficulté pour nous? Et je suis un peu perdu. Quelle est donc la difficulté à lire ce passage, cette parabole en premier lieu? Quelle peut être notre difficulté? Selon moi, pourquoi la là, c'est mauvais. Mais pourquoi le maître? Pourquoi je dis admirer? Non, ce n'est pas admirer. Eh, mon vieux, c'est vrai. Mille, vous sont sans la autorité, quoi. Mille, vous sont sans possède ou les Bibles. Et nous, c'est ça que les Bibles. N'est-ce pas que l'on peut les Lucas ou les TP? Et bien, pourquoi les Clavena? Eh. E lui ha un minimo che quando la cazzo vuoca fine e mi può era che ha dei funami di compagnia. Donc pour moi, sa reazione, ce che le cara fa, ce n'è pas admirer. Mais moi, ce che je comprends, le Seigneur voudrait seulement utiliser cela pour nous enseigner quelque chose. Parce que c'est un parabole, le Seigneur voudrait utiliser ça pour faire sortir certaines leçons pour nous apprendre. Merci. Et nous sommes à l'autre doigt, et nous sommes sur les bananes qui sont qui se disent à quoi et qui est le au verset 8, le maître a félicité le courant. Et vous pouvez amener à et à toi et à vous et à vous à l'eau et gagipola. Non, pas parce qu'il a reçu seulement une partie de son argent. Non. Moi, le cas suivant, il croit le cas. D'accord. Non, pas parce que le colon est infidèle, malhonnête ou rusé. Et moi, le cas suivant, parce que il vit à l'eau, il y a et puis, il y a homme. Et Jésus n'est pas d'accord avec son hypocrisie et sa malhonnêteté. C'est pourquoi il appelle l'économe infidèle. Jésus-Christ, on vous dit si l'eau est un peu maoma ou un petit peu de l'eau,
Gadi Poland qui fait Baola. Et comme les uns les autres l'ont déjà dit, cette parabole, c'est comme un exemple par qui Jésus a passé pour nous enseigner quelque chose. Et nous sommes soi, alors l'autre deux, il y a ce que je vais affirmer. Mais le commandement a été voué parce qu'il était en train de planifier à la France son avenir lorsqu'il se retrouvera en chômage. Gadi Polo, nous craignons les Guanibé et le Bouddha, monsieur le Sontinéni, et donc Baba le Sua, les Kéberaba Nona et Loa et les Mourou Suite. Il a agi avec prévoyance. Il a utilisé l'argent de son maître comme un moyen pour planifier son avenir et non pas comme un but à acquérir. Il a utilisé l'argent comme un moyen pour planifier son avenir et non pas comme un but à acquérir. Et il s'est loué pour sa prévoyance. Quand vous le dites, Gadi Poland, tu peux m'avoir les épées, j'adore le son. Amen. Merci beaucoup. Et ce que Jésus veut nous enseigner est que, ayons nos regards fixés sur le royaume de notre éternité, plutôt que de compter sur la sécurité de notre patrimoine ou bien notre argent. La leçon que Jésus veut que nous ayons nos regards fixés sur le royaume de Dieu. Sur notre éternité. Plutôt que de compter sur la sécurité de notre patrimoine, nos biens, notre argent. Ils sont des choses passagères. Tant que nous vivons sur cette terre, les biens et les bénédictions de cette terre qui appartiennent à Dieu, autant que nous avons dit à Dieu, et nous avons messieurs, et les biens et les bénédictions de cette terre qui appartiennent à Dieu, et nous avons messieurs, il y a des grands messieurs que la vie à Dieu, pour nous m'ouvrir et moi. Autant que nous les avons entre nos mains, utilisons-les pour honorer, servir Dieu en vue de planifier notre avenir dans le royaume du ciel. Comme nous le dit Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
pe apere jo ni ya gba bi agba eye nu yo ne su so la wa to apere amen. Nous devons penser à notre avenir dans le foyer de la vie. Nous devons la vita pour son âme et son intime qui a l'opé à nous. Comme nous devons à penser, quelqu'un veut poser une question. Est-ce que nous avons bien lu le verset 9? 8 et 9. 9. Est-ce que vous pouvez ramener le doigt? Et moi, je vous dis. Et moi, je vous dis. Faites des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Ele clube demie esse come tutua me le kuma mena mi kupe na sire ke ale clube me le e plona li ve mi to ani bandinu majo majo oje hono we na mi alopi ne wo nu vai o vola wa o ide a fe ma vola me Est-ce que nous allons épouser les richesses injustes? C'est ce que l'Éternel nous dit? Non. De voir de façon que tu montres la 10h20, si on avait l'heure ou talon. Et papa, ma sista, il faut continuer et on va chercher ça pour le matin. Parce que là, je peux pas dire. Je pense que le Seigneur sera déjà qui la réponse. Est-ce que M. Akbelia a terminé? Au moins, il y a. Il faudrait qu'il termine son idée et on puisse dire ce qu'on va faire à la suite. Quoi. Parce qu'il n'a pas terminé. Ok. J'ai terminé. J'ai dit, nous devons réfléchir mieux encore sur les deux derniers. C'est parce que quand nous coupons pour que Dieu ne veut pas que nous. Dieu voudrait tout simplement que nous contentions du futur. Mais ici, il y a quelque chose qui est caché dans les deux derniers versets. Bien, on peut continuer jusqu'au verset 10. Ok, nous allons réfléchir sur le verset 8 et 9 et la prochaine fois, nous allons débattre de ça. Ok, 8, 9, 10, c'est ça que nous allons débattre le dimanche prochain et nous allons voir ce que Jésus veut nous enseigner dans le verset. Il y a bien que mes pouvoirs sont bas, mes dégrés et considèrent que mes riches. Parce que, excusez-moi, le verset 10, c'est pratiquement ce que Matthieu a dit, c'est ce que l'enseignant vient de résumer. Le verset 10 corrige en quelque sorte le verset 9. Le verset 8 et 9 sont des versets philosophiques, très très philosophiques. C'est pourquoi. Le verset 10, bon, il parle de soyez fidèle dans les moindres choses, qui n'a, enfin, à mon humble avis, qui n'a pas un vrai rapport avec le verset 8 et 9. Mais pour voir,
et toi, tu te tout le roi, tout le monde qui a marché les pierres, et cadeau de l'homme de l'homme de l'homme. Et pour que j'aime, il y avait un peu de temps qui a marché les pierres, pour amener au détour avec le bébé et le bébé à terme. Mais on a déjà vu ce verset de dimanche prochain. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'on quitte la leçon avec toutes. Je veux qu'on précise quelque chose, au moins pour que ceux qui partent partent avec quelque chose. Je sais que le temps est parti, c'est le frère de Dieu qui va prier, qui va prêcher, il va s'avancer. Donc, je veux, c'est une proposition, qu'on quitte la leçon avec quelque chose de résumé de ce que nous avons dit pour qu'on revienne là-dessus. Parce que on quitte la leçon avec des points divergents comme ça, ça fait que chacun garde ce qu'il veut et on ne sait pas ce qui va se passer dans la semaine. C'est une proposition. Disons 5 minutes pour finir ça. Merci. Ok, allez-y. Je vais essayer de résumer ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui en disant que nous sommes la leçon parle de l'économe infidèle et de son serviteur, de son maître. L'économe infidèle est identifié comme nous qui sommes sur la terre et le maître est identifié comme Dieu. C'est nous qui gérons les biens de Dieu sur la terre d'une manière infidèle. Maintenant que nous sommes infidèles, Dieu, nous avons appris, ou bien Dieu nous fait savoir qu'il va nous juger, il va nous rendre, c'est-à-dire nous demander les comptes. Et comme nous avons appris cela, maintenant notre création, nous serons jugés. Il y a d'autres qui ne vont pas prendre ça en considération, vont continuer leur vie comme bon leur semble. Mais d'autres, comme nous qui sommes économes fidèles et infidèles, mais pourtant, la Bible nous exhorte à faire comme cet économe. Ça veut dire que nous tous nous sommes économes infidèles déjà. Il faut reconnaître ça. Ce n'est pas que maintenant nous allons dire que moi je suis fidèle. Non, nous sommes infidèles. Nous sommes dans ce cadre. Parce que si le domaine de définition n'est pas correct, on ne peut pas comprendre. Nous sommes infidèles. Maintenant que nous sommes infidèles, notre réaction est maintenant de faire pour que notre avenir, parce que les comptes qu'on va demander, c'est comment on va nous l'envoyer, c'est comment nous allons aller en enfer. Maintenant, ce qu'on doit appliquer, c'est qu'on doit être intelligent, on doit utiliser notre sagesse pour que ce que nous avons acquis infidèlement, ce que nous avons, faire des amis avec, c'est ce que la conclusion dit. Avec la richesse que nous avons acquise d'une manière infidèle, c'est ce qui appartient à Dieu. Nous devons servir Dieu avec pour que le ciel nous soit favorable, pour qu'un jour ça nous soit favorable au ciel. Sinon, on va aller faire. Ce n'est pas que la Bible nous conseille d'aller acquérir des choses infidèlement pour aller au ciel, mais nous sommes déjà infidèles.
nous sommes déjà identifiés comme des économes infidèles sur la terre. L'étude biblique est très importante. Lorsque nous
a la prédication, c'est difficile d'avoir le temps de poser des questions. Donc, c'est vrai que nous sommes pressés par le temps, mais c'est très, très important de prendre effectivement le temps comme aujourd'hui et de comprendre certaines choses. Donc, une fois encore, merci à toute l'équipe de Dimanche. Que Dieu vous bénisse.